journée au bord du Baïkal. Tiens donc, dans la même cabane? Non, parce que j'ai eu l'occasion de retourner sur l'île d'Olkhon, qui se situe à 200 km au sud de l'endroit où j'ai séjourné, parce qu'une équipe de cinéma faisait un film qui était inspiré du livre par ton expérience. Mon séjour, par mon expérience. Et alors, ils ont reconstruit une cabane, parce que les besoins du cinéma, évidemment, imposent des volumes beaucoup plus larges que la cabane dans laquelle j'habitais. Elle faisait que 3 mètres sur 3 et ils n'arrivaient même pas à installer toutes leurs équipes de tournage. Et alors, pour faire ce film sur la solitude, ils avaient besoin de 45 personnes pour tourner. Alors il a fallu reconstruire une cabane et j'ai eu l'occasion de passer comme ça 3 semaines dans la nouvelle cabane construite pour les besoins du cinéma. Je me suis demandé d'ailleurs à l'époque comment tu vivais le fait de devenir un héros de cinéma. Un héros de cinéma. D'abord, encore faudrait-il que ce soit le juste mot. Je ne sais pas si c'était un héros de cinéma. Non, j'étais simplement le personnage dont s'inspirait le réalisateur pour faire un film. Ce film s'appelait Dans les forêts de Sibérie. Le réalisateur s'appelait Safi Nebou. Et il s'inspirait de l'histoire, mais il y a ajouté les propres développements de son inspiration à lui. Il s'est inspiré de l'idée de vivre dans une cabane pour essayer de retrouver une forme de profondeur intérieure, et il y a ajouté ses propres récits. J'ai trouvé d'ailleurs le résultat très bien. Enfin, un film réalisé par un Français qui parlait de la Russie en des termes amicaux. C'était bien, ça. Je sais pas, j'avoue que je n'ai pas vu le film. J'ai entendu simplement dans la promotion, j'avais l'impression qu'on ne parlait que de la scène où on voyait l'acteur totalement nu attaqué par l'ours. Oui, mais on ne voyait pas que ça. D'abord, on voyait la beauté du Baïkal, et ça, l'équipe de tournage a réussi à très bien exprimer cette chose très importante, à savoir que le lac était un personnage en lui-même. Et puis, c'était à nouveau, encore une fois, un film qui présentait une Russie qui n'était pas seulement le territoire d'une trilogie composée de l'alcoolique, du mafieux et de la prostituée russe. Alors ça, c'était quand même agréable, parce qu'il faudrait penser que la Russie n'est pas que cela, et malheureusement, souvent, ce qui ressort de la Russie lorsque un romancier français ou un cinéaste français en parle, c'est un peu ces stéréotypes-là. Alors, on a commencé un peu rapidement avec Sylvain, mais bien sûr, et plus que jamais, il y a des micros dans la salle, et je suis sûr que vous avez sans doute des questions à poser à Sylvain, vous n'hésitez surtout pas. Tiens, allez, déjà, Jérôme Esplat. Bonjour Sylvain. Alors, c'est un film qui traite essentiellement du temps et de ce voyage temporel. Et pourquoi avoir gardé cette montre tout le séjour? C'est une très bonne question, à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. J'aurais pu, tu as raison, me contenter d'observer le soleil puis de vivre selon les impératifs de la chronobiologie. D'abord, il faut préciser que c'était une montre à quartz. Et les montres à quartz sont paradoxalement, même si elles sont arrivées tard dans la chronologie technique de l'invention de l'horlogerie, elles sont arrivées récemment, c'est ce qui nous rapproche le plus du sablier. La montre à quartz, contrairement à la montre à aiguille mécanique, n'offre pas cette espèce de tic-tac, lequel est une forme de dissection du temps. Alors, dans la montre à quartz, on est encore dans le monde de la silice, de l'écoulement, de la fuite fluide du temps. Ce sont des cristaux, d'ailleurs, comme les cristaux du sablier. Ça, c'est la première réponse. Puis la deuxième, c'est qu'on peut garder une montre sans trop la consulter. C'est vrai. Madame, nous avons une question. Oui. Priori de vos questions. Oui, monsieur Bonsou. J'ai une question à vous poser. Au début du film, on voit qu'il y a une icône. Vous êtes souvent devant une icône. Je voudrais savoir exactement si, dans votre voyage intérieur, vous êtes allé vers la transcendance, ça vous a guidé vers la transcendance ou pas, ce voyage intérieur, ou si vous êtes resté très terre à terre, très. Voilà. Est-ce que tu es allé jusqu'à la transcendance pendant ces jours? Oui, mais alors, je n'ai pas entendu la première partie. On voit les icônes. Ah oui, les icônes. Alors, oui, la question sur la spiritualité. On voit une icône parce que je suis assez fasciné par le rapport que l'orthodoxie russe entretient avec le sacré, et notamment
avec l'esthétique du sacré, c'est-à-dire avec cette idée qu'il y a une forme de transsubstantiation de la présence divine dans l'image, car c'est à cela que correspond l'icône. D'ailleurs, les facteurs d'icône, lorsqu'ils peignent l'icône, se prétendent dans l'état de prière. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut tout à fait reconnaître une adhésion de son être à une spiritualité, en l'occurrence c'était l'orthodoxie, sans pour autant croire absolument à des présences célestes. C'était mon cas. C'est la dimension culturelle, civilisationnelle de la chrétienté. C'est la deuxième chose. Et puis troisièmement, je trouvais qu'il y avait dans ce séjour en Russie une forme de spiritualité due à l'enfouissement dans une nature qui était très présente, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer avec la réalisatrice Florence Tran dans ce film, c'est-à-dire la conversation permanente que l'on peut mener avec les forces élémentaires de la nature, car elle est là finalement, l'éternité, dans la présence de ce lac, des bêtes qui vivent et qui meurent, dans la présence de ces forêts et dans la présence de ces montagnes et du ciel. Alors, ça nous ramène à l'idée qu'on peut se contenter du monde réel qui est autour de soi sans forcément aller chercher des abstractions divines. Et moi, malheureusement, ma spiritualité, ou peut-être heureusement d'ailleurs, elle s'arrête à ce contentement du monde réel que je peux observer. Et j'ai l'impression, moi, d'être en état de prière, non pas lorsque je m'agenouille vers des abstractions, ni lorsque je regarde des icônes, mais lorsque je me promène dans les bois. Wow.